Eh bien, l'arbre que j'ai l'avantage de vous présenter maintenant, c'est un arbre majestueux, hein, qui se trouve là devant nous, avec ses deux branches fortes, on va dire même trois branches fortes, qui partent du sol, hein. C'est un arbre qui peut atteindre facilement 15-20 mètres de haut, avec son feuillage abondant sous forme un peu ovale, hein. Quand on regarde la silhouette au loin, c'est très sombre, avec des feuilles très charnues. C'est Ficus platyphylla, que l'on trouve un peu partout en Afrique subsaharienne, bien que dans certaines contrées de savane, ça commence à devenir un peu rare. Mais il est reconnaissable avec son feuillage abondant, de couleur sombre. Ses feuilles sont de grandes feuilles, et le tronc un peu rougeâtre, rouge type rouille, quoi. Alors cet arbre majestueux a un tronc, quand on approche hein, du tronc, on voit que pour les parties qui sont un peu âgées, hein, les vieux troncs, on voit que c'est quand même recouvert d'écailles d'une couleur gris foncé, gris noirâtre, hein, sur un fond plus ou moins rouge, hein, sur les unes branches, c'est moins écailleux. Ah, on voit que c'est un fond qui peut être même relativement jaune, hein, recouvert de stries rougeâtres, comme des stries de sang. Alors donc, cet arbre, bon, on voit ce jeune tronc, cette jeune branche, hein, qui a une largeur, enfin un diamètre d'environ 14 centimètres, hein. Alors, pour décrire la feuille, hein, nous allons prendre celle-là. Bon, il y en a plusieurs ici, hein, hein, mais nous pouvons choisir, disons, cette feuille. Hein. On voit qu'elle est relativement coriace, hein, assez charnue, et que leur disposition le long du rameau, c'est plutôt sous forme de bouquet terminal. Hein, on le voit un peu partout ici. Certains parlent de disposition en couronne, donc en bouquet terminal. On voit surtout ces jeunes plants. Et le jeune bourgeon là qui se présente à l'extrémité, hein, on voit là sous forme de dôme surmonté d'une pointe, n'est-ce pas? Donc si on prend une feuille individuelle, on voit c'est rattaché donc à la tige par un pédoncule qui peut atteindre facilement là combien? J'ai 6 cm de long. Hein, donc il y en a qui sont un peu plus courts. Là, il y a 4,5 cm de long. Hein, le pédoncule. Et quand on voit la façon dont les feuilles sont rattachées hein, au rameau, on voit que c'est relativement alterné. Mais elles sont plutôt groupées vers la fin du rameau, hein, qui est là. Elles sont groupées vers la fin du rameau. Une sorte de bouquet, de couronne donc. Alors, la feuille individuelle va avoir combien de paires de nervures? Je compte là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, autour de 10 paires de nervures et qui sont très saillantes, aussi bien visibles, hein, la nervure principale que la nervure secondaire. C'est très visible en haut de la feuille, c'est-à-dire la face qui regarde vers le ciel, c'est très très visible, hein, et aussi au dos, en relief, là. Hein. Et là, donc, on voit que la couleur est d'un vert un peu blanchâtre hein, au dos de la feuille avec ses nervures très saillantes et tandis que c'est d'un vert foncé sur la face supérieure qui regarde vers le ciel. Alors quant aux dimensions maintenant, on regarde la largeur ici, ça peut atteindre combien? Quelque chose comme 12 cm hein, tandis que la longueur là, elle atteint d'aller disons 16 cm là. Alors nous allons abaisser un tout petit peu ce rameau hein. Si on veut avoir une idée du diamètre du rameau, on va là, quoi, combien? Jusqu'à environ 40 cm. Hein, hein, on va là, depuis le début ici, jusqu'en haut, 40, 45 cm, quoi. Et donc, on va voir les fruits qui vont apparaître de manière. Oui, les fruits. D'abord, les fleurs. Hein, les fleurs et les fruits vont venir à l'intérieur du même réceptacle, hein, du même conteneur, on va dire. C'est pour ça qu'on les appelle des figues, d'ailleurs.
Hein, mais ça va apparaître de manière axillaire, c'est-à-dire à l'aisselle des feuilles. On voit un cas ici, un autre cas ici, un autre cas ici. Et ces fruits sont des figues, donc, de... Alors, on peut essayer de mesurer le diamètre. Hein, c'est sous forme de globule, de façon globuleuse, à l'intérieur. Disons, on va voir le diamètre ici, externe plutôt, de 1 cm et demi environ. Hein. Donc, ce sont des boules d'un centimètre et demi environ. Alors, ce sont des figues, donc des faux fruits, qui ne vont pas s'ouvrir spontanément, même en maturité. Mais pour cette variété, qui contient d'ailleurs un latex, hein, ça c'est un point qui est assez remarquable, il y a un latex blanc dans toutes les parties de ce ficus platyphylla. Hein, même quand on coupe, on blesse une branche, on va voir qu'il y a du latex blanc, hein, qui sort, n'est-ce pas? Je peux essayer d'en tailler un tout petit peu là. Voilà, on voit du latex blanc qui sort, hein, sur une écorce qui est d'une couleur orangée, hein, et qui parfois peut être même jaunâtre. Donc on le voit clairement là, qu'on va retrouver même à la base des fruits. Mais celui-là, les fruits sont quand même consommés. Hein. Là, on voit le fruit de ce figuier. Et quand j'en taille là, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on peut observer? Même en maturité, ça ne va pas s'ouvrir spontanément. Hein. Alors, si j'en taille, je vais voir quoi? Il y a un noyau qui est rempli de pépins, qui est là, mais c'est la pulpe externe là, qui est sucrée, et qui est très riche en vitamine C, que les populations locales vont consommer, donc, pour ce ficus. Alors, donc, ça, c'est un arbre qui est très utile pour les populations locales, que l'on trouve un tout petit peu partout. Hein. Il y en a quelques pieds, là, encore, hein, qui sont beaucoup plus gros, que l'on trouve un peu partout en Afrique, au sud du Sahara. Voici une illustration typique, hein, où on voit, là, les deux troncs séparés encore, un pied de karité qui était là, très gros. Hein, on voit ses feuilles. Butyrospermum paradoxum, le karité. Et puis juste à côté, un pied de ficus platyphylla, dont on voit les feuilles qu'on a décrites. Et on voit, il est en train de négocier, de grandir de côté. Et là, on voit que il a commencé déjà à, disons, embrasser, entre guillemets, le pied de karité. Et au finish, ce qui va se passer, c'est que c'est lui qui va avoir le dernier mot. Hein. Il va envelopper jusqu'à étrangler ce pied de karité. Et donc, finalement, le grand karité va mourir et il va laisser la place à cet arbre qui est ficus platyphylla. Et apparemment, tous les ficus sont dotés de ce pouvoir, disons, de substitution, d'étranglement de leur hôte assez extraordinaire, qui a nourri l'imagination de populations locales dans une mesure assez extraordinaire. Alors, il arrive même que, par suite de déjection d'oiseaux, il arrive que, au milieu d'une, disons, d'une division où les branches, par exemple, du karité partent, que les oiseaux fassent une défécation avec une semence, un grain, une graine de ficus platyphylla ou bien sycomorus, et la graine avec un tout petit peu de poussière seulement au sommet de ça. On a vu des exemples au sommet, eh bien, il va commencer à pousser et à pousser des racines. Et ces racines vont s'implanter dans l'écorce même de l'arbre hôte, quoi. Et donc, vont commencer à pousser vers le bas, à descendre vers le bas, jusqu'à venir s'enraciner. En ce moment, il prend force et il va grandir jusqu'à étrangler l'hôte et se substituer à sa place. C'est assez fascinant. En ce qui concerne les noms, hein, ficus platyphylla est appelé, par exemple, chez les Bambara du Mali, hein, ou encore chez les Malinké, les Mandinka, ils appellent ça un kabablé. Un kabablé. Alors, en langue mandingue, au Sénégal aussi, ils l'appellent tout simplement gaba.
Gaba. Quand on reste au Sénégal, les Wolofs vont l'appeler Mbap, ou bien Khol, tandis que les Sérères vont l'appeler Mbadat. Alors, dans un pays comme le Niger, en Djerma, on dira Kobe. Et au Burkina Faso, les Mossi vont l'appeler Kamsaogo, Kamsaogo. Tandis que chez les Bariba du Bénin, ils vont l'appeler Ganguru, Ganguru. Alors en Côte d'Ivoire, les Baoulés vont l'appeler Sika Lolié. Voilà donc juste tirer comme ça de la littérature quelques noms hein, de Ficus platyphylla, cet arbre merveilleux dont nous pouvons contribuer aussi à la conservation, à la préservation.